Bonjour, Oui, présentez-vous, s'il vous Dr plaît. Mamadi Kaba, D'accord. président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA. D'accord. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Depuis le 5 septembre, il y a eu un coup d'État et l'ex-président Alpha Condé a été démis de ses fonctions. Et il y a le CNRD qui est en place. Et bon, beaucoup de questions se posent. Parmi elles, il y a la question de ce qu'il faut faire. Et pour Alpha Condé, est-ce qu'il faut le garder, le libérer? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cela? Merci beaucoup de cette opportunité. Vous savez, il y a beaucoup d'euphorie. Il y a beaucoup d'inquiétude à certains niveaux. D'accord. Mais on reconnaît que quand le président Alpha Condé était président, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. D'accord. Il y a eu des meurtres de manifestants, il y a eu des arrestations et détentions arbitraires, etc., etc. D'accord. Mais le plus important, ce n'est pas de se venger de lui. D'accord. Il faut lui donner les droits dont il a privé son propre peuple. D'accord. Et le droit le plus absolu d'Alpha Condé aujourd'hui est la liberté. D'accord. Non seulement c'est une vieille personne, il est très fragile actuellement, d'accord, mais en dehors de ça, il a droit à la liberté. Seule la justice peut le priver légalement, légitimement de sa liberté. D'accord. Mais le CNRD est un organe politico-militaire. D'accord. Ce n'est pas une justice, ce n'est pas une institution judiciaire. D'accord. Donc le CNRD ne doit pas continuer de le détenir. On D'accord. peut comprendre que sa détention était indispensable à la marche, au déclenchement de la transition. D'accord. Mais maintenant que la transition est en marche, il faut trouver les moyens de le libérer. D'accord. Et maintenant, si il y a des procédures judiciaires à intenter contre lui, ce sont les institutions judiciaires habilitées qui D'accord. doivent le faire. D'accord. Ce n'est pas au CNRD de le faire. Le CNRD ne peut pas continuer de le garder. Ce serait D'accord. une violation de ses droits. D'accord. Il faut le libérer. D'accord. Et s'il y a des procédures, n'est-ce pas, même une résidence surveillée n'est pas mauvaise, n'est-ce D'accord. pas, D'accord. permettre à sa famille et à ses proches de s'occuper de lui. D'accord. Maintenant, cela n'empêche pas la mise en marche d'une procédure judiciaire. D'accord. Une procédure judiciaire peut se mettre en marche contre lui, D'accord. mais pendant que tous ses droits sont respectés, D'accord. n'est-ce pas? D'accord. On ne peut pas le priver de ses droits au motif qu'il a des charges en matière de justice. Il faut respecter tous ses droits et favoriser un processus de justice, si nécessaire, D'accord. n'est-ce pas, afin qu'il puisse répondre des actes qu'on lui reproche. D'accord. Et aujourd'hui, même, il y a la CEDEAO qui est en Guinée et qui demande sa libération. Et est-ce que vous croyez qu'il faut le libérer afin qu'il sorte du pays? Et est-ce qu'après, il pourra répondre de ses actes? Bon, je ne sais pas s'il faut l'envoyer ailleurs ou s'il faut le garder ici, mais le plus important est de le libérer. Il faut vraiment le libérer. D'accord. Et parce que ce serait un homicide involontaire si jamais il meurt entre leurs mains. D'accord. Vous voyez, D'accord. ce serait une autre charge sur le dos de la transition. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là. D'accord. Il faut le libérer. Et s'il y a des procès à intenter, si des victimes portent plainte ici ou ailleurs, bon, le président Alpha Condé pourrait se mettre à la disposition de la justice pour apporter les réponses dont la justice a besoin. D'accord. Et il n'était pas seul, il y avait son gouvernement ou ses différents gouvernements. Et qu'est-ce que vous dites aussi par rapport à tous ces gens? Bon, le gouvernement est en train de payer déjà. Hein? Je félicite le colonel président Mamadi Doumbouya pour les efforts qu'il déploie pour rendre justice au peuple. Ça, c'est très important. C'est un très bon message. D'accord. Je l'encourage à faire en sorte que chacun paye. D'accord. Vous voyez, le président Alpha Condé n'est pas responsable de toutes les violations des droits de l'homme qui ont été commises, n'est-ce pas, sous son règne. D'accord. On ne peut pas le tenir pour le responsable définitif de tout ça. Il y a eu des ministres qui ont été responsabilisés, D'accord. il y a eu des officiers
de police, de gendarmerie qui ont été responsabilisés et qui ont commandité, dirigé, pratiqué des violations des droits de l'homme. Cela, Alpha Condé ne peut pas répondre à leur place. C'est chacun qui doit répondre des actes qu'il a commis. On ne peut pas s'abriter derrière même un ordre présidentiel pour justifier une violation des droits de l'homme. Parce que nul n'est obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Si l'ordre qu'on vous donne n'est pas légal, ne fait pas partie de votre mission, vous ne devez pas l'accomplir. Si vous l'accomplissez, vous êtes aussi responsable de votre acte et vous devez répondre devant la justice. C'est pourquoi il ne faut pas penser que la quête de justice se résume à la privation de liberté du président Alpha Condé. Chacun doit répondre de ses actes. Chaque ministre, n'est-ce pas, chaque autorité qui a joué un rôle, si petit soit-il, pour un meurtre de citoyens, pour la répression de manifestations, pour la détention arbitraire d'un citoyen, toute cette chaîne-là de personnalité doit répondre de ses actes. Et je pense que c'est ça la justice. D'accord. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que c'est le coup d'État constitutionnel qui nous a amené à cet autre coup d'État. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités pour qu'on évite de retomber dans les mêmes situations? Bon, le coup d'État constitutionnel est un élément, est une raison, une des multiples raisons de la situation que nous vivons. Vous voyez, en dehors, si... Et il n'y avait pas eu toutes ces violations des droits de l'homme, s'il n'y avait pas eu toute cette corruption, cet enrichissement illicite d'un clan au détriment du peuple, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu toute cette gabégie, toute cette malgouvernance, je pense que le changement de constitution à lui seul n'aurait pas pu justifier ce qui est arrivé. D'accord. Mais le changement de constitution et le maintien du président au pouvoir et quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais la malgouvernance en général, les restrictions des libertés publiques, les violations des droits de l'homme, n'est-ce pas, la violation de l'état de droit, tout cela a formé un paquet qui justifie aujourd'hui la situation que nous connaissons. En dehors de cela, je vous ai dit tout de suite, pendant les élections, avant le double scrutin, moi je m'étais exprimé, j'ai demandé au président de renoncer à un troisième mandat et de promouvoir un jeune du parti, RPG, afin que si celui-ci est élu, qu'il puisse continuer ses œuvres. Et j'ai dit que parce que mes craintes, c'est que le président, un clan, prenne le président en otage, le brandisse, le fasse élire et que ce clan-là gouverne par délégation, c'est-à-dire des cadres véreux qui gouvernent sans se faire élire. D'accord. Et pourtant, mes craintes ont été confirmées parce que, en fait, le président Alpha Condé, quand il a été élu pour le troisième mandat, vous avez vu, il a reconduit l'ancien gouvernement, un gouvernement décrié, un gouvernement accusé de corruption, de mal-gouvernance, de solidarité dans le mal, il a reconduit le même gouvernement, ce qui a fait comprendre à tout le monde que le pouvoir lui a échappé et que le clan, n'est-ce pas, qu'il a fait élire pour le troisième mandat, contrôle le pouvoir à sa place. Et c'est ça, justement, qui fait partie des raisons pour lesquelles la situation ne pouvait pas tenir longtemps. Il a fallu que l'armée intervienne pour rétablir l'ordre dont le pays a besoin. Et maintenant, je pense que ce genre de clan ne doit pas pouvoir prendre en otage le colonel Doumbouya. Il a de très bonnes intentions, il connaît le pays, il a des engagements qui cadrent avec les aspirations de son peuple. Et depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils posent des actes qui sont en phase avec les aspirations de son peuple. Nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à sa conviction personnelle, mais nous avons des inquiétudes par rapport au cadre qui cherche à le prendre en otage pour le dérouter de sa trajectoire. D'accord. Et nous prions pour que ces cadres-là ne parviennent pas à leur fin. D'accord. Et que le colonel Doumbouya puisse continuer sur la trajectoire qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire la justice du peuple, le respect des droits de l'homme, le renforcement de la démocratie, de l'état de droit, le renforcement des institutions, l'indépendance des institutions, etc. La justice, l'égalité des citoyens devant la justice, la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, etc. D'accord. Nous pensons que ce sont
des objectifs précis qu'il a, et tout cela doit être bouclé par les meilleures élections de toute l'histoire de la Guinée. D'accord. Des élections où c'est véritablement le peuple de Guinée qui désignera ses dirigeants à tous les niveaux. D'accord. Bon, une question toute simple. Parlant des élections, vous, il y a une transition. Vous préconisez combien de temps pour cette transition? Non, je pense qu'il faut établir un chronogramme, n'est-ce pas? Il faut d'abord commencer par mettre très rapidement les organes de la transition, n'est-ce pas? Et puis travailler sur un chronogramme. D'accord. Qui débouche sur le retour à l'ordre constitutionnel très rapidement. D'accord. N'est-ce pas? C'est moins le temps que les... Vous voyez, vous pouvez faire un mois au pouvoir et ça peut paraître long aux yeux de tout le monde, vu le contenu, n'est-ce pas, de votre programme durant cette année-là. Mais vous pouvez faire un an sans que cela ne paraisse long aux yeux des gens si vous meublez correctement et l'année que vous passez au pouvoir. Donc je pense que l'ensemble des activités qui vont être planifiées dans le temps permettront aux gens d'apprécier si oui ou non la transition est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Je pense que des signaux très forts dans ce sens doivent être envoyés au peuple et à la communauté internationale. C'est cela qui permettrait aux autorités de la transition de continuer à bénéficier de la confiance du peuple et de la communauté internationale. Okay. Des sanctions sont prévues. Les sanctions peuvent se durcir à la longue, tout comme elles peuvent s'alléger à la longue. Tout dépendra du comportement que les autorités militaires auront dans les semaines à venir. D'accord. En composant le CNRD, n'est-ce pas, en mettant en place le gouvernement. Ce sont des signaux qui feront que la communauté nationale et internationale continuera d'apporter son soutien à la transition ou cesseront d'apporter leur soutien à la transition. Mais moi, je pense personnellement que ceux qui disent qu'on peut se passer de la communauté internationale commence déjà à tromper le président Doumbia. Nous ne pouvons pas nous enfermer et évoluer à vase clos. D'accord. Le capitaine Dadis l'a tenté et le résultat n'a pas été bon. Je pense qu'il faut éviter cela. Le colonel Doumbia a dit qu'il va travailler de manière consensuelle avec tous ceux qui sont utiles à la transition. Je pense que les compétences guinéennes sont utiles. Le soutien de la communauté internationale est indispensable. D'accord. Alors tous les signaux qui peuvent permettre à la communauté internationale de porter un regard de confiance vers l'avenir de la Guinée avec les autorités de la transition, je pense que c'est important. Il faut faire des efforts dans ce sens. Il faut faire des efforts pour séduire la communauté internationale et continuer à mériter la confiance des populations, à entretenir l'espoir qui a été donné aux populations par ce coup d'État. Et c'est de cette manière que je pense qu'on peut réussir sa transition. Et c'est de cette manière que le colonel Doumbia va rentrer pour toujours au panthéon de la Guinée. Il va rentrer dans l'histoire de la Guinée, dans la mémoire collective. Et il va être la personnalité la plus importante de toute l'histoire de la Guinée s'il réussit à faire de cette transition-là une opportunité pour l'avènement d'une Guinée nouvelle, une Guinée respectueuse de la démocratie et de l'état de droit. Merci beaucoup, M. Kaba. C'est moi qui vous remercie.